Eh bien bonsoir à tous, ici Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, on va parler des vaisseaux de faction, mais de combat. On va pas parler des mineurs, seulement de combat. Donc c'est une vidéo importante parce que ces vaisseaux vont déterminer vers quelle faction il faudrait te diriger. C'est pas par affinité qu'il faut aller vers une faction, mais plus par rapport aux vaisseaux qui sont à ta portée et les vaisseaux de combat. Pas les vaisseaux mineurs, d'accord? Seulement les vaisseaux de combat. Donc on va voir tiers par tiers quels vaisseaux sont intéressants, quels vaisseaux à prendre, quels vaisseaux ne pas prendre. Voilà. Donc on va commencer dans les premiers tiers, on va dire. Qu'est-ce que j'entends par tiers? C'est le tiers 1, j'entends le D3, le Mayflower, le Légionnaire, tiers 2, Centurion, Intrépide, et le Bortas, tiers 3, Brel, Intrépide, et puis le Gladius, tiers 4, finalement, l'Augure, l'Enterprise et le D4. Donc, déjà, avant de commencer, quel vaisseau, quel tiers prendre, vers quel tiers un peu se diriger? Personnellement, je pense qu'il y a deux techniques qui sont efficaces. La première, c'est de prendre un vaisseau tiers 1 et un vaisseau tiers 3. Alors, l'avantage, c'est que tu as un vaisseau un peu plus puissant que le Kumari au tiers 1, voilà, avec un D3. Donc, c'est-à-dire que tu vas pas avoir de peine entre le Kumari et notamment le tiers 2, parce qu'ensuite, l'autre stratégie, c'est de prendre un tiers 2 et un tiers 4. Mais, des avantages, c'est que même si tu as un vaisseau plus puissant en tiers plus rapidement, donc, parce que tu as un tiers 1, donc un D3, un Mayflower ou un Légionnaire, d'accord, c'est un petit up par rapport au Kumari, ben, au final, t'as, quand tu seras niveau 32/34, tu auras un vaisseau plus faible parce que tu n'auras pas un vaisseau épique. Et pourquoi pas prendre un tiers 1 et un tiers 4? Parce que le tiers 1, tu vas vraiment avoir de la peine si tu es niveau 32, 33 avec. Vraiment. Que ce soit l'émission quotidienne, l'émission des essaims, etc. Tu vas avoir trop de peine. Si t'as pas de Franklin notamment. Voilà. L'autre que je conseille, qui est pour moi la plus efficace, c'est de prendre un tiers 2 et un tiers 4. Donc c'est-à-dire que là, tu prendrais le Bortas D4, Saladin, Enterprise, Centurion, Augure. Mais attention. De toute façon, quand tu es au tiers 4, t'es pas obligé, on va dire, de prendre chez la même faction. C'est pas parce que tu prends un Saladin que au final tu vas prendre un Enterprise à la fin. Tu peux prendre un Saladin, un Augure ou un Centurion, un D4. D'accord? Mais pourquoi? Parce que du temps que tu arrives au niveau 34, à mon avis, tu auras plusieurs factions de débloquer, au moins deux. Et c'est-à-dire que la première, il faut que tu la débloques pour tes premiers vaisseaux, donc tiers 1 et tiers 2. Parce que quand tu seras tiers 2, enfin, quand tu seras capable d'avoir des vaisseaux de tiers 2, donc quand tu seras niveau 28, tu auras probablement seulement une seule faction de débloquer pour prendre soit un Saladin, soit un Centurion, soit un Bortas. Et d'ailleurs, je l'ai peut-être pas dit, mais moi je conseille la stratégie numéro 2, donc prendre des tiers 2 et tiers 4. Donc c'est-à-dire que la première faction que tu dois bloquer à 10 millions de points. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les factions, comment avoir des points de faction, là, si ça t'intéresse. Et ben, elle. Voilà, si je veux un Saladin, je vais bloquer la Fédération. Si je veux un Bortas, je vais bloquer les Klingons. Si je veux un Centurion, je vais bloquer les Romuliens. Et ensuite, tu t'en fiches, ok? Parce que t'es pas obligé d'avoir un Saladin d'Enterprise, parce qu'au final, t'auras probablement une deuxième faction que tu vas pouvoir débloquer, d'accord? C'est dans si tu as bloqué la Fédération pour avoir le Saladin, après tu peux bloquer les Romuliens pour avoir un Augure. Moi j'ai les Klingons qui sont bloqués, tu vois. Donc si je voulais un D4, je pourrais. Mais voilà. Tu n'es pas obligé de prendre toujours chez la même faction. Ensuite, on va voir tiers par tiers. Maintenant c'est là que c'est intéressant, ça va définir vers quelle faction il faut te diriger. Donc tiers 1, tu as le Mayflower, le Légionnaire et le D3. Alors là, sincèrement, ils se valent un peu tous. Peut-être que je dirais que le D3 est à peine plus faible et que le Mayflower et le Légionnaire sont de même niveau. Mais ils se valent tous. Mais comme j'ai dit, pour moi c'est pas des vaisseaux intéressants. Garde ton Kumari un peu plus longtemps jusqu'au niveau 28 et ensuite débloque des vaisseaux tiers 2. Vaisseau tiers 2. Saladin. Centurion. Et puis le Bortas. Lequel est le plus fort? Lequel est le moins fort? Le plus fort, c'est le Saladin. Il n'y a pas à dire. Donc là, si tu m'as bien compris avant, si je dis que le plus fort, c'est le Saladin, t'as qu'une seule faction de bloquer
au niveau 28 ou une seule faction, pas forcément de bloquer, mais d'assez avancée dans les points pour pouvoir débloquer un vaisseau tier 2. Donc, tu te dirigerais vers la Fédération pour avoir le Saladin. Personnellement, c'est ce que je conseille. Saladin, c'est le meilleur au tier 2. Autant au tier 1, on peut un peu hésiter. Au tier 2, le Saladin est bien supérieur que tous les autres vaisseaux. Ensuite, le Centurion et le Bortas, lequel est le plus efficace, etc. Ben, tout dépend. Le Bortas va battre le Centurion en PVP parce que le triangle de combat. Après, le Centurion est le plus efficace pour les S1 parce que c'est un. Eh ben, c'est un explorateur, donc le Bortas ne cherche même pas à faire des S1. Si t'es plus PVP, prends le Saladin ou le Bortas, en tout cas pas le Centurion. Et si tu veux être plus utilitaire, tu peux prendre le Saladin ou le Centurion. Comme ça, tu pourras faire des S1 aussi. Après, on va pas se mentir, le Saladin fait tout et extrêmement bien. Donc moi, je te conseille d'aller vers le Saladin. Ensuite, on a le Brel, l'Intrépide, le Gladius. Lequel est le meilleur, lequel est le moins bon? Alors là, il n'y a pas photo, l'Intrépide, c'est le moins bon. En PVP, il est lent. Pour faire des hostiles, ça prend du temps. Il n'a pas non plus des dégâts incroyables. Il a surtout une survivabilité, excusez-moi, qui est extrêmement faible. Voilà, je vais vous montrer une petite vidéo pour vous montrer à quel point il est lent. C'est impressionnant. En PVP, tu veux rattraper un ennemi, c'est fini. Tu cherches même pas avec l'Intrépide. Ensuite, Brel et Gladius se valent les deux. D'accord, vraiment ils se valent clairement les deux. Ils sont extrêmement bons. Le Brel a une survivabilité qui est extrêmement bonne. Et puis le Gladius, c'est quand même un monstre un peu pour son niveau. Voilà, tout simplement. Ensuite, entre Enterprise, Augure et puis le D4. Alors il y en a un que je te conseille pas, c'est le D4. Il est extrêmement faible. En tout, voilà, c'est simple, il est faible en tout. Et après, il y a toujours cette question de Enterprise Augure, lequel prendre? Il y a beaucoup de joueurs qui aiment bien avoir l'Augure parce que l'Enterprise reste le meilleur en général par rapport à tout, que ce soit hostile, ouverture de base, armada, etc. C'est le meilleur, mais en temps de guerre, typiquement, et nous on a pas mal de guerres, et puis comme on a la meilleure alliance au niveau de puissance, il y en a beaucoup qui aiment avoir l'Augure. Pourquoi? Parce que l'Augure, en 1 contre 1 contre un Enterprise, il va l'exploser. Vraiment, le triangle est extrêmement bien respecté, et il va clairement l'exploser. C'est-à-dire que, ça dépend. Si t'as envie de taper des Enterprise, voilà, prends un Augure. Si t'as envie d'être plus efficace en tout, ce qui veut dire hostile, armada, ouverture de base, etc., bah prends un Enterprise. C'est aussi simple que ça. Donc, ça dépend de toi. Pour résumer, dirige-toi vers la Fédération en premier lieu pour débloquer le Saladin. Parce que le Saladin, tu peux le garder clairement du niveau 28 au niveau 34. Et moi, c'est ce que je fais. Il y a une réelle différence de puissance, hein, entre le Saladin et le Mayflower, enfin les tiers 1, et même, voilà, si tu compares un peu avec le Kumari, grosse différence de puissance, alors que entre les tiers 1 et le Kumari, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est pas parce que tu as un vaisseau tiers 1, type légionnaire, Mayflower D3, que tu vas tout d'un coup devenir extrêmement plus puissant. C'est pour ça que je ne te conseille pas. Donc, pour moi, je dirais le Saladin en premier. Ensuite, surtout pas prendre l'Intrépide. Et finalement, t'as le choix entre l'Enterprise et l'Augure. Le D4 est nul. Donc c'est aussi simple que ça. Tier 1, tu prends un peu ce que tu veux. Tier 2, Saladin. Tier 3, évite l'Intrépide. Tier 4, Enterprise, Augure. Ça, c'est à toi de décider. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à laisser en commentaire ce que toi, tu vas faire. Et pourquoi pas t'abonner. C'était Darmanel sur Star Trek Fleet.com.